Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour échanger sur la question de la hausse des taux d'intérêt qui est annoncée par M. Powell, qui est effectivement le porte-parole et le dirigeant de la Fed, donc c'est-à-dire de la Banque centrale américaine. Il faut bien comprendre que les décisions prises par la Fed sont des décisions qui vont largement impacter l'ensemble de l'économie mondiale, puisque le dollar est ce qu'on appelle la monnaie de réserve. Et l'ensemble des échanges internationaux, même lorsqu'ils n'impliquent pas les États-Unis, se font en dollars. C'est-à-dire que bien souvent, lorsque l'Europe achète des produits à l'Asie, eh bien il s'agit du dollar qui est concerné. C'est d'ailleurs pour ça que l'économie américaine, même si en termes de production, de PIB, elle n'est pas sur un monopole d'un point de vue mondial, eh bien elle est si importante. C'est que si l'économie américaine s'écroule, le dollar s'écroule, et donc il va falloir restructurer de manière fondamentale l'ensemble des échanges internationaux. Pour comprendre à quel point l'augmentation des taux d'intérêt est importante et est dangereuse pour l'économie, il faut comprendre deux choses. Tout d'abord, le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt auquel les banques privées peuvent emprunter de l'argent aux banques centrales pour ensuite faire leurs opérations courantes. Plus le coût de l'argent est élevé, c'est-à-dire plus la banque centrale augmente le taux directeur, augmente les taux d'intérêt, moins les banques sont capables de faire des prêts qui sont peu chers. Si elles empruntent de l'argent à 2%, elles ne vont pas être capables ensuite de le prêter à moins de 2%. Donc si les taux augmentent, le coût de l'argent va augmenter pour l'ensemble de l'économie. Bien entendu, cela concerne les particuliers et les entreprises. Effectivement, les entreprises qui vont voir le prix finalement de l'argent et donc le prix des emprunts augmenter, passer de 0 à 1%, puis à 2%, puis à 3%, vont être obligées d'annuler, de reporter des investissements, que ce soit encore une fois des investissements particuliers comme l'achat d'une maison ou d'une voiture, ou des investissements industriels comme l'investissement dans de nouvelles structures et de nouvelles technologies. Et on comprend bien que décaler ou annuler ces investissements, eh bien ça revient à une réduction de la croissance économique, puisque par définition, c'est de l'argent qui ne rentre pas et qui ne circule pas dans l'économie. Donc c'est un déficit et un réel manque à gagner. Mais il faut comprendre que la hausse d'intérêt, elle a réellement un impact et un pouvoir qui est beaucoup plus important que ça. En tant qu'Européen et en tant que Français, on n'a pas l'habitude de ce fonctionnement, mais il faut bien comprendre que la plupart des emprunts aux États-Unis, ce sont des emprunts qui sont indexés sur le taux directeur. C'est-à-dire que ce sont des emprunts à taux variable. Vous, quand vous empruntez pendant 30 ans à 2%, eh bien, peu importe l'évolution de la conjoncture économique, c'est-à-dire peu importe que ça évolue en votre faveur ou contre vous, eh bien, vous continuerez de payer 2% d'intérêt par an. Même si les taux d'intérêt tombent à 1%, bah vous serez triste et vous payerez toujours vos 2%. C'est pas totalement vrai parce que du coup, vous pouvez réemprunter à 1% pour rembourser vos 2%, ce qu'on appelle un rachat de prêt. C'est un coût assez important, mais c'est quelque chose qui est faisable. Mais en tout cas, de l'autre côté, si les taux d'intérêt explosent, si vous avez emprunté de l'argent à 2% et que les taux passent à 4%, en fait, vous gardez votre mensualité qui est contractuelle. Sauf qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre taux, il va évoluer. Et donc, si vous aviez emprunté à 2% et que les taux d'intérêt passent à 3 ou à 4%, eh bien, vous allez voir la facture et votre mensualité augmenter. Alors, on se dit, 1%, 2%, c'est pas beaucoup. Alors déjà, 1%, 2%, bien évidemment, c'est immense sur des sommes qui sont colossales. Ça concerne notamment des entreprises qui vivent avec des taux de dette qui sont importants, qui sont même parfois supérieurs à 100% par rapport à la capacité d'apporter du capital en fonds propres. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour beaucoup d'investisseurs notamment privés mais institutionnels, comme les fonds communs de placement, comme même les banques, eh bien il y a souvent un effet de levier qui est très important. C'est-à-dire qu'en réalité, ils investissent 100 euros, mais ils en ont emprunté 99. Et donc dans ce cas-là, on voit bien que la rentabilité d'un investissement, elle est directement liée au prix de l'argent que vous avez emprunté. Et si vous vous retrouvez avec le prix de votre emprunt qui explose parce que la Fed augmente les taux, alors
vous êtes quasiment sûr que vous allez créer un effet domino qui est dramatique et très similaire à la grande récession qu'il y a pu avoir après la crise des subprimes fin 2007, début 2008. Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a compris les risques extrêmement importants qui sont liés à la hausse des taux d'intérêt, on peut se demander pourquoi la Fed ferait ça? Ça paraît absurde et ça paraît extrêmement dangereux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Fed est entre le marteau et l'enclume. Quoi qu'elle fasse, la solution pourrait être très largement critiquée. Parce que, décrit comme ça, on pourrait se dire, bah non, n'augmentez pas les taux, ne faites rien. Sauf que il y a l'autre face de cette même pièce des taux d'intérêt qui, lorsqu'ils sont très bas, favorise l'inflation. Pourquoi? Parce que plus vous permettez à des acteurs divers et variés, institutionnels ou privés, d'avoir accès à des emprunts à faible coût, plus vous allez augmenter l'inflation parce que il faut bien comprendre que l'inflation, elle est liée à la quantité de monnaie en circulation. Plus il y a de quantité de monnaie en circulation, moins la valeur de cette monnaie est importante relative au bien qu'elle permet d'acheter. S'il y a 1000 euros en circulation, ces euros valent moins que s'il n'y a que 100 euros en circulation. Et en fait, ce qui détermine la quantité de monnaie en circulation, c'est précisément les emprunts et les prêts qui sont faits par les banques privées. Or, comme on l'a vu, plus les taux d'intérêt sont faibles, plus elles vont pouvoir faire des prêts, et donc plus il y aura d'argent dans l'économie, et donc plus il y aura d'inflation. Or, vous n'êtes pas sans savoir que aux États-Unis, on a des taux d'inflation calculés sur l'année, mais mesurés de manière mensuelle, qui arrivent aux alentours des 10%. Donc, il y a une crainte qui est extrêmement forte de voir une inflation qui va durer, avec des taux qui sont extrêmement importants, et puis surtout, il y a le spectre de cette hyperinflation, c'est-à-dire des taux d'inflation qui dépasseraient largement les 20%, qui seraient absolument dramatiques pour le coup pour l'ensemble des acteurs économiques, et notamment des acteurs économiques gagnants d'aujourd'hui. Parce que, au fond, si vous êtes un salarié qui vit paycheck to paycheck, donc c'est-à-dire de paye en paye, et qui n'a pas du tout d'épargne, l'hyperinflation n'est pas un drame absolu. Par contre, elle est un drame absolu pour l'ensemble des personnes qui ont énormément de capital, parce que ça veut dire que l'ensemble de ce que vous possédez ne vaut plus rien. Ça revient un petit peu à faire un reset. C'est vraiment ça, en fait. L'épisode hyperinflationniste, on remet tout à zéro et on recommence. Sauf que vous vous doutez bien qu'il y a un paquet de gens qui sont au pouvoir qui ont tout sauf envie de repartir à zéro et de recommencer, parce qu'ils ont une bonne longueur d'avance sur la plupart des gens. Et ce sont ces personnes-là qui sont au pouvoir. Donc c'est ce qui explique que ces personnes-là sont prêtes, même si ça inclut une crise économique majeure, à prendre toutes les mesures possibles pour réduire, voire tuer dans l'œuf ce risque d'hyperinflation et même de grosse inflation qui pourrait durer dans le temps. Donc il faut comprendre que c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Soit on a une crise qui est liée à une hyperinflation et au fait que tout ce qui aujourd'hui a de la valeur n'en aura plus demain. Ou alors on fait face à une crise économique qui est importante parce que l'ensemble des personnes qui ont aujourd'hui des prêts vont pas être en mesure de rembourser avec l'augmentation des taux, vont pas être en mesure de continuer d'investir. Et donc, les personnes à qui elles étaient censées rembourser vont être en défaut de paiement et il y a un effet domino évident qui se crée à partir de ce moment-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous feriez de votre humble point de vue, ce que vous pensez qui est le plus raisonnable pour l'économie mondiale de faire hein, en termes de taux d'intérêt. Faut-il les laisser tels qu'ils sont, les augmenter ou les baisser? N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et je vous dis ciao!